Soit une solution pour votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, on n'a pas vraiment cette grâce-là, que la musique soit vraiment au top. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, c'est pour cela. On voulait continuer à danser pour le Seigneur. Mais on le fera prochainement. C'est pour cela qu'il faut être toujours en l'air pour bénéficier de cette grâce-là. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence chez chacun de nous. Maintenant, nous allons passer à un moment encore qui est très, très important pour notre vie. Parce que le pain, la nourriture, nous aide à croître. Si tu veux devenir gros encore cet après-midi, ouvre ta bouche. Vous allez manger. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous savons que le Seigneur va utiliser son enfant. Et nous appelons notre frère Patrick. Qui viennent encore parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur va apporter la parole avec le bien-aimé. Et avant que je lui donne le micro, je veux que tout le monde prie pour notre frère et que tout le monde prie pour la parole de Dieu. Et notre frère, il va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur pour la parole. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Amen. Amen. Na pamboli sous son zambé. Nous bénissons. Kopusana sous l'iposo na biso. Ya ko trouvé sous grâce. Ya ko zala mobali liposo ya basi. Amen. Amen. D'autre fois, rappelez na zala ki mwasi. Mais le long zamba salinga ngolo. Nous allons mobile et liboso nabino. Amen. Et on a poussé liboso nabiso pour nous poussé à partager nabiso.
Amen. Sans plus tarder, toke kotanga, katina biso sokeza na motomoko, akoki kosunga biso na lettir. Tozo tanga na Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7 à 8. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 8e verset. 7 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 12, chapitre 12 17 7 à 8. Et à 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et voici un agneau du Seigneur suivi, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en leur frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Alors, la linguito fandana nous vraiment en Autriche. Je voulais vraiment qu'on puisse rester comme des Autriches. Tout cela qui est lobby, moi et Béléna Bandeko. Nous avons eu une réunion hier avec mes bien-aimés. Tolinga qui toye ba ko partager. Nous avons cherché à partager. Na lolenge apôtre na sosenga biso na 1 Corinthiens 14 et 6. Comme l'apôtre Paul nous demande dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset à partir de verset 6. Toye ba côté ya na prophétie que nous sachions prêcher en prophétie na doctrine, à la doctrine, na connaissance, à la connaissance, et à la fin, la révélation. Et par la révélation. Amen. Hein? Amen. Alors, pour la bonne compréhension, il y a ensemble des élis. Alors, pour la bonne compréhension, pour l'ensemble des élis, tant que biso oyo, toujours grâce, comme nous avons la grâce, évangile de Christ. De connaître l'évangile de Christ. Yangotolingi le loto partager un peu dans la doctrine. Voilà, aujourd'hui nous voulons partager un peu dans la doctrine. Ce qui nous embarque ça la grâce. Si Dieu fait grâce, to kopi kokota susu nakati na révélation. Nous pouvons aussi entrer encore dans la révélation. Amen. Hein? Amen. Na Actes des Apôtres 12. 7 à 8. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7 à 8. Tomoni histoire ya apôtre Pierre. Nous voyons l'histoire de l'apôtre Pierre. Pierre, c'est un serviteur de Dieu, Yesu aponaki parmi les apôtres. Pierre, c'est un serviteur de Dieu que Jésus a choisi parmi les apôtres. C'est lui qui était vraiment motivé dans l'œuvre de l'Éternel. Mais un jour à l'autre, mais un jour à l'autre, apôtre Pierre s'est retrouvé dans la prison. L'apôtre Pierre s'est retrouvé dans la prison. Parce que à ce moment-là, parce qu'il ne voulait plus faire l'œuvre de l'Éternel. Ils ont pris Jacques, ils l'ont découpé la tête et ils l'ont mis dans la prison. Et la deuxième personne, Ezalaki apôtre Pierre. Et la deuxième personne, c'était l'apôtre Pierre. Pierre n'a qu'à dire prison. Pierre dans la prison. Mais bien aimé. Tout le monde a à Pierre, parce que tu as n'a qu'à dire prison. Nous voyons ici, la Bible est en train de nous faire voir Pierre dans la prison. Dans verset 8. Dans le verset 8. Ange a se paraître devant Pierre, n'a qu'à dire prison. L'ange de l'Éternel apparaît à Pierre dans la prison. Il vient pour délivrer Pierre dans la prison. Mais à part là, il a trois choses pour Pierre. Mais il a dit trois choses pour Pierre. Première chose, Pierre,
Kola ta ceinture na ye. La première chose, il a dit à Pierre de mettre sa ceinture. Et deuxième chose, la deuxième chose, a dit Pierre, kola ta chaussure ou sandale na ye. Il a dit à Pierre de mettre ses chaussures ou ses sandales. Amen. Et la troisième chose, a dit Pierre, couvrir na manteau na ye. Il a dit à Pierre de porter son manteau. Par là, tolito yeba, pourquoi ange azo senga na Pierre azo abilo ko lo sentir pe sandal pe manteau na ye. Par là, nous voulons comprendre pourquoi l'ange a demandé à Pierre de prendre ses souliers, de prendre son manteau, toutes ces choses, de le mettre et sa ceinture. Mais les choses étonnantes, choses étonnantes, Dieu a bandi ko faire révéler quelque chose qui était caché ici. Dieu m'a fait révéler quelque chose qui était caché. Nous savons tous, quand quelqu'un est dans la prison, la ceinture ne peut pas entrer dans la prison, c'est interdit. Mais, tomoni awa, Pierre a continué à sentir na ye, a kotaki na bilamba na ye. Ici, nous voyons Pierre est entré dans la prison avec ses vêtements et sa ceinture. Mais, na kati ya prison. Mais dans la, une fois dans la prison, Tomoni, Pierre a longoni biloko nyonso wana. Pierre a enlevé toutes ces choses. Tamo ange a koti na kati ya prison. Et lorsque l'ange est entré dans la prison, il a dit à Pierre de remettre toutes ces choses dans son corps. Il y a quelque chose. Oyeza caché na kati awa, otolito comprendre ensemble biso na bino. Il y a quelque chose qui est caché là dedans que nous voulons comprendre vous et moi. Pourquoi ange azo koyebisa na Pierre azongi sa ceinture na ye? Pourquoi l'ange a dit à Pierre de remettre sa ceinture? Pierre, il était abattu. Pierre était abattu. Askomati désespéré. Désespéré. Azale ki kondimali sou souté que un jour akoza la sauver. Il ne croyait plus qu'un jour il sera sauvé, délivré de la prison. Parce qu'il a compris que déjà son frère Jacques m'a attaqué déjà Moutou. Parce qu'il avait compris que son frère Jacques a été décapité. Pour lui, ayeba ki yepe soukanango sort na yeza le même. Pour lui aussi, il savait que lui aussi sera décapité comme son frère Pierre. Et alongo ni biloko nyonso azala ki nango na nzoto na ye. Il a enlevé tout ce qu'il avait sur son corps. Parce qu'il a commencé désespéré. Parce qu'il était désespéré. Mais ange a koti alobi na ye. Zongi sa ceinture na yo, zongi sa sandale, zongi sa manteau na zoto na yo. Mais l'ange est entré, il a lui dit, porte ton soulier, tes sandales et ton ceinture. Pourquoi sandale? Pardon, pourquoi ceinture? Pourquoi la ceinture? Donc il y a Ephésiens 6, 14. Nous allons lire dans le livre d'Ephésiens chapitre 6, verset 14. La Bible dit, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez en vous, ayez le rein de la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Amen. Hein? Amen. Amen. Mon frère, vous regardez la sous-son, s'il te plaît, pour la bonne compréhension. Je lis pour la bonne compréhension. La Bible dit, tenez donc ferme. Mmh. Ayez à vos reins la vérité pour ressentir. Amen. Hein? Amen. Amen. Tomoni awa, bazo tali sabiso. Nous voyons ici la Bible est en train de nous faire voir. Que sentir ezola ki sabiso. La sentir est en train de nous faire voir. Que eza vérité. Mmh. C'est la vérité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Pierre na kati a prison. Pierre dans la prison. A comprenait qu'il pas na yé vérité ça là qu'il soutient. Il avait compris qu'en lui il n'y avait plus la vérité. Abandonner le monde sentit comme où est la vérité. Il a enlevé la ceinture comme la vérité. Or que la Bible nous fait dire ça, Bishop Ephésiens. La Bible nous fait voir que la ceinture est représentée la vérité. La ceinture est représentée la vérité. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Tant que bana nzambe. Les enfants de Dieu. Donc qui compose ça n'a été qu'autant que la vérité. Amen. Parce que il y a mon des armes efficaces à Bishop à chrétien. Amen. 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 Ceux qui est chrétien sont qu'on retombe dans la vérité. Si un chrétien ne marche pas avec la vérité, dis-toi ma question, ceux qui osent la canini. Pose-toi des questions si tu es. Parce que un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien. Azamuto vit pas dans la vérité. Il est celui qui vit dans la vérité. On peut qu'on abandonne cette vérité, mon bandit.
Tu ne peux pas abandonner et mettre la vérité de côté. On dit que nous avons servi Christ. Tu dis que je sers Christ. Mais ok, Christ c'est celui qui est dans sa vérité. Or Christ c'est lui la vérité. Si on a servi Christ, il faut tant qu'on appelle encore à Christ dans la vérité. Si tu sers Christ, il faut que tu marches aussi. C'est pour cela aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui. Dans ton monde, ma salle est belle. Nous voyons beaucoup de serviteurs. Bah, abandonné vérité. Ils ont abandonné la vérité. Ils ont compté à sous bateau vérité. Ils ne veulent plus prêcher la vérité. Bah, comment t'es à bateau mec à mensonge. Ils prêchent des mensonges. Bah, comment t'es à bateau ma sentiment à bango. Ils prêchent les gens. Bah, comment t'es à bateau ma pensée à bango. Ils prêchent les gens. Entre l'évangile de Christ. On l'a bien dit. Les autres les amis sont. Nous fait voir. Tu es ma content abandonné la vérité. Il faut que nous marchions dans la vérité. Y a mon des points clés la mission. C'est ça qui est notre point clé. Tant que chrétien. Comme étant chrétien. Oh y a plus qu'on s'en a un mot. Ce qu'il peut avoir comme la vérité. Donc continuez mon frère, continuez la lecture. Donc continuons. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Comment dit Awa Bazotel Isabiso? Nous voyons ici, ils sont la Bible est en train de nous faire. Pierre, alors moi qui sentir, ouais, c'est là qui vérité. Pierre a enlevé la ceinture qui est la vérité. Alors moi qui sandale, ouais, c'est là qui. Évangile, il a parole de Dieu. Le sandal qui était l'évangile, parole de paix. Pierre, oyo, une fois, tant qu'Azalaki le bat, Azalaki rempli du Saint-Esprit. Pierre, une fois qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oya, Téa qui bat l'évangile. Qui a prêché aussi l'évangile. Mais devant la situation. Devant la situation. Pierre a abandonné l'évangile. Pierre a abandonné l'évangile. Parce qu'à mon acquis, Soukanaïe s'est coquille. Parce qu'il a vu que c'était sa fin. Or, que la Bible est allée s'habiller sur le sandal. Oh, la Bible nous fait le voir. Ça. Ou chaussure. Ou chaussure. Ezali. Là. Ezali. Enseignement. C'est l'enseignement. Ou Ezali, évangile. Ou c'est l'évangile. Ou la parole de Dieu. Mmh. Amen. Mais, on a compris, Pierre a abandonné l'évangile à cause. Il y a citation et comme elle a qui est. Mais bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ou beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ou beaucoup des enfants de Dieu. Bah, abandonné aujourd'hui. Ils ont abandonné aujourd'hui. Enseignement. L'enseignement. À cause. À cause. Des situations où ils se permettent de catinailler. À cause des situations qui se permettent en lui. À cause du sous-cotant pour la tête selon l'enseignement. Il ne peut plus marcher selon l'enseignement. Il cherche maintenant à se tâtonner, à faire marcher comme ses pensées, comme ses pensées à lui. Oh, que devant une situation. Oh, que devant telle situation. C'est l'enseignement de nous devons changer biso pour la situation de biso. C'est l'enseignement qui change nos situations. Amen. Quand il y a un problème. Amen. Là où il y a un problème. Donc il faut rester toujours dans la parole d'ensemble. Il faut demeurer toujours. Parce qu'il y a un monde où déjà solution. Parce que c'est ça la solution. Mais apôtre Pierre abandonné l'évangile. Et l'apôtre Paul abandonne l'évangile. Parce que mon acquis situation n'a comme à qui n'a souka. Parce que sa situation devenait de plus en plus compliquée. Mais bien aimé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Zambazolinga. Dieu veut nous faire voir. Parole en Zambène de Ezali, ou Ezali Motouya na vie na biso. La parole de Dieu, c'est ça qui est quelque chose de très. Sans la parole en Zambène. Sans la parole de Dieu. Toko ma moussikate. Nous n'irons pas loin. Toko ne moussikate. Nous n'irons pas loin dans la vie chrétienne. Amen. Amen, hein? Amen. Toko y na deux rois de. Nous allons lire dans le livre de deux rois, chapitre 2. Na verset na biso. 9 à 14. Des rois chapitre 2, verset 9 à 14. Je lis la parole. Amen. Lorsqu'il y est passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux, et de feu les sépara l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, « Mon père, char d'Israël !» Et sa cavalerie,
et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il les releva. Le manteau d'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie avait laissé tomber et il la frappa aux os et dit: où est Éternel, le Dieu de lui? Lui ainsi, il frappa les eaux qui se partagea ça et là, et Élisée passa. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. C'est là où il y a le grand problème. Ici, si Dieu nous fait grâce, c'est là où nous allons monter comme des aigles. Tomoni, ange a ébissé Pierre. Nous voyons l'ange dit à Pierre: prends ton manteau. Alors, tu dois comprendre le manteau et son signifie bisonini. C'est là où nous allons comprendre maintenant que signifie le manteau. Tomoni n'a des rois. Nous voyons dans le livre des rois. Histoire y a Elina Élisée. L'histoire de Élie et Élisée. Awa, Élie, bazo kendena Élisée. Ici, nous voyons Élie et Élisée. Oh, y'a Zalaki. Élisée, Zalaki, serviteur, y'a. Y'a Élie. Élisée est le serviteur d'Élie. Pardon. Élie, Zalaki, serviteur. Non, pardon. Élisée, Zalaki, serviteur, y'a Élie. Élisée est le serviteur d'Élie. Élie, il fallait avoir Soloni dans le Zambé, faire la mission, y'a Élie. Élie a parlé avec Dieu, c'était la fin de l'émission d'Élie. Sur cette terre. Ici sur terre, voilà. Il fallait Élie à Zonga na Mboka et pas na Kolo. Élie devait retourner au ciel. Une fois arrivé quelque part. Élie a son Senga. Élie demanda à Élisée. Senga nga o nyo soyo lingi. Demande-moi tout ce que tu veux. Élisée a son Senga na Élie. Élisée demanda à Élie. Après ça y est. Double onction na ye. De lui accorder le double portion de son esprit. Élie a ici ces choses aux Senganga. C'est difficile vraiment de les aboyer pour na pouvoir compenser. Élie lui dit: ces choses que tu me demandes, c'est difficile mais vraiment pour que je te les donne. Mais awa, soki ngai na mati. Mais si tu me vois monter, soko moni tes vêtements, manteau na ngai kiti koyi na se. Si mon manteau reste et tombe sur terre. Sache que ce que tu m'as demandé, tu l'as avec toi. Mais pourquoi le manteau est symbolisé la Saint-Esprit? Pourquoi le manteau nous symbolise le Saint-Esprit? Parce que Pierre Balobinaye a se couvert dans le manteau. Parce que Pierre, on lui a dit de se couvrir de son manteau. C'est la présence du Saint-Esprit. Or que Pierre. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, évangile, oh Pierre, abandonna qui a senti, abandonna qui y a sandal, cet évangile, la vérité, pardon, la vérité, et l'évangile, sandal que Pierre a abandonné, la vérité de l'évangile, or que nous pouvons l'avoir que sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces choses-là. C'est pour cela que l'ange a couvert son manteau. Voilà pourquoi l'ange a dit de se couvrir de son manteau. Parce que c'était la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui l'enveloppait. Mais maintenant, Awa. Mais maintenant, ici. Tamouelia m'a dit. Lorsqu'Elie est monté. Tomoni manteau. Nous voyons le manteau. Et quoi? Le manteau tomba. Pourquoi Elie a fait couper ça? Élisée, et le quoi c'est qui était dans le moment là? Pourquoi Élie ne pouvait pas donner à Élisée ce qu'il lui a demandé en ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, Élie a Zala qui représentait tant que fils, parce que c'est qui image. Élie représentait le fils, c'était l'image. Dans la ombre.
Nous avons l'ombre. Et après, nous allons aller sur la révélation. Pour comprendre pourquoi Pierre va s'engager le manteau. Voilà pourquoi on a demandé à Pierre. Nous allons comprendre pourquoi on a demandé de Pierre, à Pierre de remettre son manteau. Élie a dit à Élisée, c'est vraiment difficile de te donner ce que tu es en train de me demander. Parce que Élie a qui image de Christ, de Jésus, de Christ. Parce que Élie était l'image de Christ. Après qu'on pense à été tant qu'à ça na image à fils sur cette terre. Il ne pouvait pas lui donner à l'air même. Pourquoi? Parce qu'il avait encore l'image du fils. Parce qu'à l'obi, ces choses étaient impossibles. Voilà pourquoi il a dit que ces choses que tu me demandes, c'est vraiment impossible de les donner maintenant. Entre parenthèses. Tout en guin à Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 16. Le livre de Jean, chapitre 16. Et verset 7. Jean, chapitre 16, verset 7. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Amen. Amen. Mais bien aimé, tout le monde est là. Mais bien aimé, nous voyons ici. Dans l'image, il y a Élie Élisée, tout le monde est qui ombre. Nous voyons l'image d'Élie d'Élisée, c'était l'ombre. Mais maintenant, il y a quatre révélations. Maintenant, nous venons dans la révélation. Nous voyons ici, Jésus parle à ses disciples. Si je ne peux pas, il faut que je ne peux pas.